Bah, tu vois, tu te foutais de ma gueule comme quoi j'avais acheté une doudou de North Face à l'arrivée du printemps. Et bah, je vais te dire, elle est bien utile. Alors, qu'est-ce qu'elle nous a sorti aujourd'hui? Petite veste tapisserie. Ah oui, très mode. T'es vraiment tiré à quatre épingles. Hein. Alors. Ça va mieux tes hémorroïdes? Hein? Ça va mieux? Alors là, je fais des photos. Vas-y. Prends plusieurs poses. Tu gênes, vieille. Oh non, c'est une photo. Dame âgée, dame qui tient. Vas-y, pose. Mais t'es Regardez-moi cette serre de cactus. Non mais c'est des paysans. Hein. Waouh. Puis il fait une chaleur. Au moins. Oh, bah, elle est ravie. Elle n'a pas besoin de l'emmener en voyage. Hein. Tu la fous dans une serre à Paris. Regardez, elle est ravie. Ah bah elle est trop contente, regardez, elle filme tout. Oh là là, t'es démente, hein, ma soeur. T'es démente, ma soeur. De... Oh, bah elle est contente, hein, mamie. Oh, elle est contente, elle découvre tout. Oh, elle est contente, mamie. Ah, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Elle a envie d'aller dans cette serre. Oui, elle est fermée. Oui. Tu peux me faire une démo, s'il te plaît? Alors, concernant ces plantes? Oui, s'il te plaît. Alors, approche, mon... Non mais, sans pression, la meuf sort d'une serre et fait le ménage. T'es maniaque, toi, hein. Putain, mais elle est désœuvrée le dimanche, votre pote, hein. Oh là 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 là. Très bien de se faire retourner comme la terre. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle veut maintenant que je la sais? Tu te rappelles, au bois de Boulogne? Bon. Ça va, elle prend pas trop de place, votre pote. Hein. Je me détends, la recule. Ah bon? Il manque plus que Léonce. Puis on te fout au vide ordure. Si on te prend, puis on te... T'en as pas marre d'adopter une apparence grotesque? Ah! Tu entends? Oh là là, jungle vibes. C'est des vrais oiseaux, c'est une bande vidéo. Non, c'est des vrais, enfin tu devrais connaître. Bah, ils sont où? Non. Bah, des fois, dans les serres, ils mettent des bandes. Vieille con, t'as vraiment la catarate. Hein. Ils mettent des... Le dimanche, je viendrai plus te voir. Oh, oui, je suis surexcitée, vieille con. Ah bah, on est sûr qu'elle, elle a pas le Covid, hein, vu l'odorat qu'elle a. Ça sent rien, mais c'est très, très joli. Ah, ça sent rien. Bah si, alors elle a peut-être le Covid, mais du coup. Vu, alors, mets-toi. Non, je suis intenable. Hein. Non, là, c'est une vulgaire. Oh, vieille con. Tu te rappelles quand tu couchais? Regarde, elle nous fixe. Tu te rappelles? Je le connais pas, ce monsieur. De la main. Oh, mais arrête, je le connais pas. Ah. Tu te rappelles, Fufu, quand tu roulais des pelles à Scheim? Tu te rappelles de cette folle nuit avec Canteloup? Oh, mais tu me sortais, non? J'adore lui foutre la honte, les puces, parce qu'il y a des gens qui doivent y croire derrière. Tu te rappelles quand t'avais. Oh, non, arrête. Quand t'avais embrassé arrête. Patrick Poivre d'Arvor? Arrête. Fufu. Je ne le connais pas. Je me tire, demande pas pourquoi je suis pas les sommes. Parfois je sens mon cœur. Alors ma belle, t'as eu honte? T'es partie comme ça au pas de chasse. Mais tu sais pertinemment que tous ces hommes que tu m'as cités, c'est pas des hommes qui pourraient éventuellement me plaire. Ah bon? Mais non. Bah ils sont charmants. Oh bah peut-être charmants, mais pas pour moi. Oh bah t'es compliqué. En plus ils ont un certain âge ou un âge certain comme tu veux. Oh mais comment veux-tu te faire engrosser? Bon, j'aime pas. Hein? Rage. C'est terminé les enfants. Ah tu n'as pas envie de pouponner? Non merci. Ah bon? Les futurs enfants de ma fille peut-être? Tu ferais le buzz, tu pourrais faire baby story. Ah oui. Ou plutôt baby story. À la maison de retraite. Mais j'ai pas de maison de retraite. C'est vrai que toi alors c'est dingue hein. Je suis très surpris. Mais c'est vrai tu te rends pas compte de la chance parce que t'es hyper autonome, t'arrives à vivre chez toi tout ça. Enfin c'est vrai. Bah non il y en a je suis désolée à 80 et quelques qui sont... Or... Bah évidemment fu. Arrête parce que... À 60. Oui. De 70, 83. Ton pilulier. Hein, tes medicines. Arrête. Est-ce que... Alors ça, c'est un bel arbre. Hein. J'espère qu'elle le filme. Ah oui. Un pommier du Japon, peut-être. Vieille con. On va nous le dire. Hein. Tu te rappelles, Fufu, quand tu fantasmais... Rigoler. Ah, tu veux des hommes musclés. Bon, bah écoute, je sais pas quoi te dire. La dame est horrifiée. Et pas vous, du tout. Les quoi? Ah, pareil. Ah bah voilà. Fufu, j'ai une idée pour toi, pour tes contenus. Oui. Est-ce que tu aimes les pandas? Pandi. Adorer ma vie. Non, c'est joli, mais bon. Viens, ma belle. Tu vas adorer ma belle.
je te jure, je vais t'emmener dans une forêt de bambou. Est-ce que vous pouvez le calmer? Arrête! Oh là là, là là. J'ai la joie de vivre! Oh bah oui! Là, viens! Oh regarde, il est tombé! Tu as peut-être perdu, Fufu, ton appareil! Voici la forêt de bambou à quelques centimètres d'un égout riche et varié. Tu viens? Le droit, c'est fait exprès. Oh Fufu, je t'ai trouvé quelque chose! Pour tes pineapples! Non, pomme de pain! Kaschenwakind! Tu veux que je te prenne en photo? Alors ça va cartonner sur ton Instagram, hein. Je suis, mais alors comme tu peux constater, ah oui, en pleine cet forme. Cet homme-là revient de Dubaï. Oui. Le décote au carré, là. Oh, arrête un peu. Ah, mais moi, je peux plus te supporter. C'est ta perruque, Fuflard. Non, je peux plus te supporter. Parce que moi, quand je me détends, vous savez que j'hurle. Hein, ça dure en général une vingtaine de minutes. J'ai besoin de décompresser quand je suis comme ça, un petit peu en burn-out, avec une charge de travail, une charge... Alors là, tu fais bien de prendre encore en photo la végétation, parce que pour le coup, t'en perds tes lunettes. Elles sont magnifiques ces fleurs. Chaque année, je les vois au printemps. Je sais pas quelle espèce c'est, mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Tu connais ça, Fufu? C'est un kiosque à livres. J'adore le concept. Dans ma ville, il y en a au moins 5-6. Et quand j'ai déménagé, j'en ai déposé. Je trouve ça génial. Toi, ça fait longtemps, Fufu, que tu l'as pas vu, le four à pain. Franchement, mais je te jure, je suis surexcité. Non, mais tu m'as... Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça. Quoi? Oh, là là. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien m'extasier. T'en fais un peu. C'est vraiment la comédia dell'arte, non? Oh, je le vois pas. Non, c'est la comédia del mémé. Enfin, c'est. Oh non, mais. Oh, c'est dommage. Regardez, voilà, oh là, elle donne tout. Bah, cette plante qui est au sol, je sais pas trop comment t'arrives à la cadrer le téléphone en l'air vers le ciel, hein. Mais qu'est-ce qu'elle branle? Mais c'est une. Ce soir, on mange chinois les puces. J'adore ce genre de plat. Trop bon. Fufu, t'as pris pareil que moi? Oui. Bon appétit, Fu. Merci, mon Fu, ça a l'air excellent. Dîner en amoureux? En amoureux, yeah. Ah, tu vas manger avec tes baguettes? Bah, les nouilles, oui. Voyons voir. Alors, est-ce qu'elle manie la baguette? Alors? Oh là 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 là. Ouais. C'est un peu approximatif. Vraiment, les plus bonnes adresses à retenir, c'est trop bon. Oh, voilà. Je me régale. J'ai l'impression de manger des prothèses mammaires, ça serait pas les tiennes? Alors, le GPS. Oui, bon bah c'est bon. Oh. 20 nœuds. Oh. 20 nœuds. 22 rue Campion à Paris. 22 rue de Paris, Boulogne-Billancourt. Non, je vais pas rue de Paris, je vais rue Campion. 22 rue Campion à Paris. Maintenant, à droite. Mais j'ai pas mis d'adresse.